Établissement Franssen, à votre service, bonjour. Donc nous sommes sur des remorques Umbauer bagagères. Ces remorques pourront avoir en freiné ou pas en freiné. Donc c'est avec une porte que vous pouvez voir voilà, qui s'ouvre arrière. Et on peut aussi bien sûr le faire devant. L'avantage de ces remorques, c'est qu'elles sont en alu, en aluminium, avec des châssis Alco, donc châssis allemand, donc c'est une marque allemande. Donc là, on arrive sur de la remorque freinée, toujours de marque Umbauer, en aluminium, avec donc des ridelles de 35 cm. Là, vous voyez donc la tête qui se trouve ici, freinage. Avec donc le frein arrière. Vous avez ici les cales de roue. Et sur ce modèle-là, vous avez aussi la roue jockey qui est comprise dedans. Toujours avec ouverture comme sur la bagagère arrière et avant. Voilà, on peut l'ouvrir arrière et avant. Là, on est sur une taille un peu plus grande. Hein, on est sur du 2,40 m. Donc toujours en freiné, on va passer donc sur une remorque. On va passer donc sur une remorque là hydraulique avec roue dessous. Donc ce qui permet bien sûr de pouvoir charger la remorque. Une fois que la remorque est chargée, vous avez donc un kit hydraulique ici. On visse. Voilà, donc bien sûr remorque freinée avec roue dessous. Et là je monte. Roue jockey intégrée. Donc là on a des essieux 1300, 1500, ça dépend de la taille et le modèle de la remorque. Où là on va avoir un grand volume, c'est une remorque donc double essieu, toujours avec des essieux Alco dessus. Remorque bien sûr freinée vu cette taille. Donc on peut avoir plusieurs tailles. Hein. Là on est sur une 2,5 tonnes avec roue jockey relevable automatique. Et toujours roue dessous, on est toujours avec les roues dessous. Là l'avantage c'est qu'on peut mener sur le côté. Je peux baigner aussi sur l'arrière comme sur les quatre côtés se baignent avec bien sûr vous avez des anneaux d'arrimage pour pouvoir arrimer qui sont pris sur le châssis. Donc là on arrive sur, déjà sur de la belle remorque et de la grosse remorque.